Bonjour tout le monde. J'espère que je ne dérange personne. J'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui vont au taf sont au taf. J'espère que ça taffe bien dans les bureaux ou peu importe l'endroit. En tout cas, sachez que moi, je me porte bien. Toujours en santé. Mais je suis là pour laisser un petit message. Oui, un message à toute machine. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai toujours eu confiance en vous. De la même manière, vous me faites confiance et vous me soutenez pendant que beaucoup m'insultent, pendant que beaucoup sont aigris de voir la vérité en face, pendant que beaucoup sont étonnés de me voir dans des endroits où ils s'imaginaient pas me voir un jour. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu a la main sur toi, il a la main sur toi. Voilà. Donc, à tous mes vrais fans, voilà, c'est à vous que je parle. Beaucoup sont là, Dixdor, 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 ouais, affiche les chiffres de ton album et tout. Je vous ai déjà dit, au moment opportun, les résultats seront là. Le Dixdor, si on doit l'avoir, on l'aura. Mais tout dépend de vous. Les fans de DJ Arafat dans le monde entier. Voilà. Je ne suis pas là pour acheter des vues. Parce que acheter des vues est devenu un jeu pour les artistes ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens se basent aujourd'hui sur les vues. Mais laissez-moi vous dire que Booba en France, il n'a pas besoin d'avoir des milliards de vues. Mais quand il dit, ou quand il a un concert quelque part, quand il met pas, vous connaissez, ses fans sont au rendez-vous. Et c'est comme ça où vous, machine, vous êtes. On leur a montré ça ici, devant eux ici. Ils étaient là, on leur a bien montré ça ici. De 29. Voilà. D'autres nous ont lâchés, des sponsors nous ont lâchés. On était livrés à nous-mêmes. Il y avait vous, il y avait, pardon, il y avait vous, moi, le promoteur. On a fait ce qu'on avait à faire, on a agréé notre concert. Notre concert a été une réussite et je vous dis merci encore. Donc vous voyez un peu à tous les fans des autres artistes. Vous parlez de machines, vous parlez de mes fans, vous dites que ouais, mes fans sont là pour insulter, c'est des illettrés. Mes fans ne sont jamais des illettrés. Mes fans sont les plus intellos même de tous les fans de tous les autres artistes. Le coupé décalé, c'est un, c'est pas deux. Donc, quand vous frustrez les autres, sachez que vous serez frustrés. Vous dites que c'est moi qui frustre, c'est moi qui attaque les autres. Mais les autres, là, ils m'attaquent en bas. En bas veut dire, ils ne m'attaquent pas sur les caméras. Ils ne m'attaquent pas sur les réseaux sociaux parce que. Ils ont leur système à eux. Mais dans la vraie vie, dans la vie réelle, qu'on se voit, ils ont des comportements qui sont très déplacés. Ils ont des comportements que vous-même, si vous étiez à ma place, ben, longtemps que vous les avez mis ou pas. Mais je ne fais pas certaines choses. Donc, moi, je fonctionne selon la personne. Voilà. Tu es bien, je suis bien. Tu es mauvais, je suis mauvais. Donc, il voit dodo, tu ne vaux rien, tu es fini. Ça là, vous dites ça depuis tous les jours. On a compris. On est fini, oui. C'est pour ça, on passe à touche pas à mon poste. On est fini, oui. C'est pour ça, on fait des émissions comme Légende urbaine sur RFI. On est fini, oui. C'est pourquoi on vient de gagner Euros encore en tant que meilleur DJ de toute l'Afrique. On est fini, oui. C'est pour ça qu'on a fait un featuring avec Maître Gims, avec NASA, avec Niska, avec Fally, et puis les sons framponnent dans toute l'Afrique. On est fini, oui, c'est pourquoi on n'a rien aujourd'hui, et puis on roule en taxi. On est fini, oui, c'est pourquoi nos abonnés ne font que diminuer au lieu d'augmenter. Oui, ça diminue. Instagram est devenu 1 300 000 un temps avant. J'étais à 700 000 abonnés. Et ça, c'est mon deuxième Instagram. Mon premier Instagram a été supprimé, je crois, en 2015, pour ceux qui ont oublié. Donc, on est fini. On est fini. Et puis aujourd'hui, on arrive à se faire plaisir quand même. Hein. Donc, la finition est une bonne chose. Oui, j'aime cette finition-là. Les fans, si c'est pour finir comme ça, mais cherchez ce genre de finition. Ceux qui disent ça sont juste et purement très bêtes. Parce qu'eux-mêmes, ils se cachent derrière leur téléphone pour danser tous les sons du Daïchikan, DJ Arafat que je suis. Mais ils n'ont qu'à tous s'apprêter. Ils n'ont qu'à tous s'apprêter. Quand ils disent ils n'ont qu'à là, beaucoup ont tendance à penser qu'ils parlent des artistes du coupé décalé. Non. Je parle de tous les artistes, même.
du monde entier n'ont qu'à tous s'apprêter. Parce que ce qui arrive là, ce qui arrive, c'est pas bon. Nouvelle génération qui vient, qui veut se faire aider par les doyens, ça, moi je suis pour. Voilà pourquoi au début j'ai soutenu un peu la nouvelle génération. Mais après, cette nouvelle génération m'a montré le vrai visage en croyant qu'ils étaient arrivés, en tapant les poitrines, que oh, voilà, on le descend, nous on est les numéro un. Il y a beaucoup de choses que j'entends dans ce milieu du showbiz venant de la bouche de cette nouvelle génération. Mais ils ne viennent jamais le dire sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent très bien que les fans vont les barrer pieds sur le champ. Au fait, je vous dis toujours, ils viennent pleurer devant vous, ils font comme s'ils font pitié, ils pleurent devant les fans là-bas. Oh, non, mais en bas, c'est des sorciers. Comment je peux avoir la haine contre quelqu'un que j'ai fabriqué? Comment je peux avoir la haine contre quelqu'un que j'ai créé? Hein? Vous étiez, non, ils étaient nombreux à dire, oh, ouais, il vaut rien, ouais, ses arrangements sont nuls, ouais, va chez Champy, va chez Tant. Vous avez oublié, hein? Vous avez la mémoire courte hein, souvent. Hein? Aujourd'hui, maintenant, vous trouvez que, ouais, moi, il a haine contre lui. Si, là, si ma carrière musicale, si il a haine contre ce petit-là, que le Saint-Esprit bloque ma carrière musicale. Voilà. Dieu, pourquoi il veut tuer Satan? Pourquoi Dieu a mis Satan en enfer? Pourquoi? Pourtant, c'était son enfant, non? Hein? C'était son enfant, non? Mais son enfant lui a fait quoi? Son enfant a voulu prendre sa place. Son enfant a voulu le trahir. Donc, comme moi aussi, quelqu'un qui est fabriqué, ose dire des choses, genre, ouais, à la Eurogang, je ne peux jamais être le numéro un. Ah, donc tu es venu. Tu étais à la Eurogang pour être le numéro un. Mais pour être numéro un, là, il y a beaucoup de routes. Hein, tu n'as pas besoin de forcément d'être à la Eurogang. Donc, en gros, le concerné se connaît. Je ne peux jamais avoir la haine contre lui, mais j'ai toujours cette foutaise-là en moi. Voilà. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est là. Donc, si vous, mes fans, vous ne pouvez pas comprendre ça, et puis vous voyez le fait que vous voyez qu'il est aigri de la nouvelle génération. Je n'ai pas à être aigri envers la nouvelle génération. Au contraire, c'est bien moi qui dois pousser beaucoup de nouveaux artistes. Voilà pourquoi j'ai abomé les défenses, j'ai Ali Le Coach, j'ai Zikion, j'ai Ivan Trésor, et puis je suis prêt à produire encore beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas trop d'artistes parce que je n'ai pas besoin d'avoir trop d'artistes. Je n'ai pas besoin de m'encombrer, de m'embrouiller en voulant montrer que, waouh, il y a Rogan, il y a 150 artistes. Non, je prends que des meilleurs. Ok, tant que vous allez me frustrer, tant que aussi et pas vous laisser, pas moi aussi mazo, plus tu me m'applaudis là, c'est plus moi et tu m'applaudis aussi. C'est comme ça la Chine. Mais apprêtez-vous, parce que je vous emmène dès quelque chose. C'est quoi on appelle ça maintenant? Dès quelque chose, je vous envoie dès quelque chose. Le son reggae, c'est un remix. Ceux qui parlaient de Piaget là, vous êtes très bêtes. Quand mon truc commence, c'est marqué Remix Dreamer. C'est la personne qui a fait le beat là, c'est lui. J'ai mis Remix Dreamer. Moi, je n'ai pas fait comme d'autres qui mettent, ouais, et tata, on a des beats. Attends, ces beats des gens, vous avez pris. Bon, ok. Comme vous voulez guerre dans Coupé décalé, la guerre a recommencé. Oui, la guerre vient de recommencer. Ça a commencé aujourd'hui. Bah, je croyais que vous avez compris. Tu restes tranquille, on te dit, tu es nul, tu ne vaux rien. Tu parles, on te dit. Oui, tu parles trop. Bah, vous voulez quoi? Faut plus avoir vie à quoi de vous. Vous chiez et chiez. Vous maillez et maillez. Vous baisez et baisez. Vous faites enfant et faites enfant. Bon, c'est pas une go. Voilà, mais en tout cas, c'est que vous êtes là. Je suis ça aussi. Donc ne croyez pas que l'homme est bête ou bien que ouais, on est trop mouton. Non, moi je fais ma musique parce que j'aime ma musique. Mais celui qui met du sable dans mon achégué, la tête à ma mère, sur tout ce que j'ai de ma vie. Lui, moi je bois sa vie. Lui, il a mis sable dans mon achégué, non? Mais moi je bois sa vie. Donc là, on a qu'à lire ça. Maintenant là, soyez prêts. Dès que quelque chose, ça arrive. Celui qui a se levé de ça là. Hein? Celui qui a se levé de ça là. Ah, bâtard. C'est que moi là. C'est que moi là. Remettez-moi dans tout de ma vieille. Et puis, hier, il est parti, il s'est quitté. Dès que quelque chose, ça arrive. Et puis, quand ça arrive, c'est pour casser ma choix jusqu'à 2020. Dès que quelque chose, ça arrive. Ciao.